Qu'est-ce que ça vous fait de revoir vos coéquipiers ce soir? Ah, c'est magnifique. C'est une surprise de ma femme. Donc je ne connais rien jusqu'à un moment quand j'ai entré l'ascenseur et je vois Yann. Et c'est encore très bizarre comme Yann parle une langue qui tout le monde compris. Donc lui parle maintenant français. C'est magnifique. Et, moi, j'étais très content. De temps en temps, je vois encore Lorenzo et Dol et Yachuk et Debouk. Mais le reste, c'est très bizarre. Moi, je suis très, très, très content pour voir tout le monde, presque tout le monde aujourd'hui. Est-ce que la saison 2000-2001, c'est votre meilleure saison en tant que joueur? C'est possible. C'est le plus mémorable, sûr et certain. La saison était très longue, mais je marque beaucoup de buts, pas seulement sur la compétition, mais aussi en Champions League. Donc, oui, comme j'étais pensé à mon carrière, c'était très, très, très mémorable. Vous avez un souvenir en particulier de cette saison? Non, mais j'ai changé beaucoup de maillots avec les joueurs. Donc j'ai encore quelques vêtements de Manchester, de Real Madrid aussi de Lazio. Mais je pense que le meilleur souvenir, c'est ici dans ma tête. Parce que, oui, ça reste tout le temps. Le meilleur, c'est possible. Personne qui va prendre ou qui va rester à une maison, comme je change le pays pour habiter en autre pays. Est-ce que finalement l'équipe de la saison 2000-2001, ce n'est pas la meilleure équipe qu'Anderlecht ait connue depuis toujours? Je pense que ce n'était pas une question pour nous, je pense que c'était une question pour les supporters d'Anderlecht ou pour personne qui travaille ici. Parce que c'est très difficile pour nous pour faire une opinion objective. Donc pour nous, c'était une magnifique saison, mais possible pour une autre personne, ce n'était pas la meilleure saison. Donc, Depuis une semaine, Besnik est entraîneur d'Anderlecht. Il était comment comme joueur? Très, très bonne vision, très calme aussi, et avec une magnifique passe. Je pense seulement à Anderlecht reconnu le passe qu'il lui donnait à moi pour marquer le but contre Lazio. Ça, c'est Besnik qui donne le passe. Je pense tout le temps, tous les supporters pensaient à moi qui marquait. Mais pas beaucoup de personnes pensaient à Besnik qui a donné le passe. Mais comme il va faire la même chose comme entraîneur, j'espère qu'il y a très grand entraîneur ici à Anderlecht à futur. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous jouez encore parfois au foot? Non. De temps en temps, je joue avec l'équipe Café. Et ça c'est déjà cette année, c'est 4 fois que je joue. Mais c'est sûrement pour mon plaisir. C'était, quand le temps c'était bon, quand le temps plus, je ne sors pas. Et comme ça, et ma femme et mes enfants sortent aussi une fois pour regarder papa qui a joué au football. Mais pas traîner ou comme ça, non. Je reste après le bureau et je regarde les autres joueurs pour la prochaine année pour lire.